Nzalé les gars, salut les amis et bienvenue. J'ai pas fait bien mon nzalé. Nzalé les gars, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Just Amy and Skin Just Amy. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous recevoir parmi nous. Et puis welcome back pour toutes les personnes qui étaient déjà là depuis maintenant un peu plus d'un an. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, cette vidéo elle est un petit peu spéciale. Puisque, comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, c'est la fin de la chaîne YouTube. Donc, en fait, je me suis dit, est-ce que en 2022, est-ce que je continue ma chaîne YouTube? Donc, en novembre, j'avais fait les 1 an de ma chaîne. Le cadeau! Le cadeau, tu peux t'envoyer par la poste, mais du coup, je te le donne là, vu que t'es là. Le cadeau pour les 1 an de Just Amy and Skin. Et ensuite, après, j'étais pas du tout en perte d'inspi, non? J'avais trouvé de quoi faire, mais je me disais, est-ce que ça sert que je fasse oui ou non cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? What is the point? Donc, j'ai décidé simplement de faire un pour ou contre pour savoir si je devais continuer ma chaîne YouTube. Donc, en fait, ça, c'est mon ticket que j'avais acheté il y a un an qui récapitule un petit peu chaque épisode avec ce que j'ai prévu de faire dans les épisodes. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et donc, j'ai écrit donc, du coup cette liste de pour et de contre. Donc, dois-je continuer YouTube ou pas? Et je me suis dit que bah, si j'ai plus de pour, bah, je continue. Mais si j'ai plus de contre, bah, je ne continue pas. Donc, dans les pour, donc, j'ai mis que c'était un moyen de m'exprimer. Que ça me permet d'être, d'avoir un partage constructif donc avec vous, avec les personnes qui viennent dans chacun de mes épisodes. Ça me permettait d'apprendre sur moi-même. Mes limites, me mettre face en fait à ma propre réalité et aussi d'apprendre bah, des autres à travers ce que j'interviewe. Ça permet de toucher des personnes. Voilà, moi comme je dis toujours, si je peux au moins toucher quelqu'un, bah, ça me fait plaisir. Ça m'a permis de prendre en main de nouveaux outils, donc tels que Premiere Pro, Audition et puis d'autres du pack Adobe et aussi YouTube d'ailleurs. Ça m'a permis de développer ma créativité parce que bah, du coup, il faut toujours trouver des nouvelles idées de vidéos, des nouveaux un peu contextes, des nouveaux petits scénarios, etc. Donc, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et franchement, je suis contente de pouvoir le faire. Ça m'a donné aussi un objectif. Donc, au début, j'avais beaucoup la pression parce que je me disais qu'il fallait que je fasse un épisode par semaine, etc. Et que c'est vrai que c'était un peu dur de suivre la cadence avec le travail et puis toutes les autres choses que je fais à côté. Mais ça me permet vraiment de donner une sorte de rythme en fait. Qui me permet du coup de me surpasser, parce que faire des montages vidéo de 5 heures, 6 heures, 7 heures, perdre la vidéo, la recommencer, se rendre compte que ça va pas du tout, que la musique de fond elle est trop forte, après avoir posté la vidéo, la supprimer, la refaire, enfin bref, surpasser, et surtout ça me permet de rencontrer bah, de nouvelles personnes, que ce soit des gens de mon entourage proche ou des amis de mes amis, bah forcément ça crée un nouveau cercle, ça crée de nouvelles discussions, enfin voilà, c'est quelque chose de cool. Donc ça c'était ma liste des pours. Donc, nous avons exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour. Et dans ma liste des contres, donc j'ai mis que ça accentue la comparaison. Donc forcément, quand on commence YouTube, on sait toujours qu'on fait pour les autres. Mais au fur et à mesure, on commence un peu à se comparer. Surtout quand on voit que ses vues, elles baissent, etc. Tu commences un peu à te remettre en question. Donc, ça relève un peu la comparaison. Et comme on avait parlé avec les filles avec Jamais 203 dans Comment on fait pour s'aimer, c'est vrai que moi j'avais parlé que j'avais vraiment un petit problème avec la comparaison. C'est pour toi le passé. En fait, je pense qu'il y a deux façons d'aborder les choses. Soit pour toi le passé c'est un moteur et tu dis bon avant j'étais comme ça et ça va me motiver à être meilleur ou ça va me motiver à avancer. Soit tu vas rester fixé sur le passé en disant oui avant j'étais comme ça, c'est dommage, oh là là, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi deux façons de voir les choses. Tu vois, c'est soit tu te projettes vers l'avant, mais tu prends en référence le passé, ou soit tu restes bloqué sur le passé parce que tu rumines un peu, tu vois. Oui, c'est Et ça. c'est ce qu'on appelle un peu overthinking, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc, ouais, dans la comparaison, d'ailleurs, j'ai mis un post avant-hier sur ça, la comparaison est un fléau, mais c'est une réalité. Mais, genre, du coup, comment utiliser cette comparaison de manière positive, disons, étant plus jeune et que bah, des fois ça revient. Donc, je pense que avoir une chaîne YouTube, ça peut aussi que tu commences à te comparer à ceux qui réussissent mieux que toi ou autre. Donc, le contre, c'est un big contre, c'est ça. Et après, j'ai mis un truc, j'ai mis genre chercher à être la star. Mais en gros, d'être la star, oui, parce que genre, tu dis c'est ta chaîne et tout, t'aimerais bien que ça fonctionne super bien.
Mais du coup, non, c'est pas moi la star. La star, c'est le message que je véhicule, les gens qui me partagent leurs choses, le fait que les personnes peuvent repartir avec des nouvelles connaissances et que bah, chacun se sente à l'aise en regardant mes vidéos et qu'ils puissent le recommander à d'autres personnes et que ça puisse aider, toucher d'autres personnes. Donc, mes contres s'arrêtent là. J'en ai que deux contres. J'ai pas trouvé d'autres contres parce que même si je disais un contre que ça me prenait trop de temps. Bah, c'est pas vraiment un compte parce que il faut juste ça juste à moi de faire du temps et de fixer mes bah je fais une journée de montage, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Donc c'est pas des vrais comptes. Et ce qui est super cool, c'est que j'ai retrouvé un truc super sympa. Donc dans ce cahier, quand j'ai commencé Just Amy and Skin, j'avais écrit du coup bah, cette première page. Donc, il y avait écrit donc, Just Amy and Skin, et c'était un peu mon projet. Donc, j'avais mis donc, le but, donc démocratiser la peau imparfaite, avoir une réelle perspective sur la peau, apporter du soutien aux personnes souffrant de problèmes de peau, discussion simple et spontanée sur un sujet qui nous touche tous. Ensuite, j'ai mis pour qui, donc pour toutes les personnes qui se sont concernées. Et ensuite, j'ai mis comment, first. Un clip vidéo, donc ça, ce que vous vous rappelez, c'était la potion à mes mots, plus une voix off, bah, c'est ce que j'ai fait, sur plusieurs personnes, plus visage. Donc ça, c'est avec les personnes de mon entourage, mes amis, les amis de mes cousines, etc. qu'on a fait. Et ensuite, je voulais faire une mini-série de 5 à 10 épisodes sur 2 saisons avec des guests ou seuls. Bon, en vrai, la série, c'est les épisodes que j'ai fait au fur et à mesure. Et quand même, je peux dire que en la première année, j'ai quand même fait 20 épisodes, hein, 20 vidéos, donc c'est hyper cool. Et ensuite, j'ai mis parler de quoi? Donc, acné, hyperpigmentation, le regard des autres, son regard face à ses problèmes de peau et son regard face à soi-même. Donc, en vrai, ça, c'est ce que j'avais écrit du coup il y a 1 an et demi de ce que je voulais que soit ma chaîne. Et en fait, en faisant le bilan, bah, je me rends compte que bah, c'est exactement ce que j'ai fait dans ma chaîne et encore mieux parce que j'ai vraiment senti que je me suis sentie moi-même édifiée par ce que j'ai fait. Mais surtout édifiée parce que les gens m'ont apporté et toutes ces personnes qui ont vraiment bah, cru en moi et qui ont accepté de participer aux vidéos, d'être exposées sur YouTube, de parler de leurs problèmes de peau. Enfin voilà. Donc je suis vraiment très contente et je me dis, bah, c'est ce que tu voulais au départ et c'est ce que tu as fait et ce que tu peux toujours continuer à faire. Donc du coup, il y a plus de pour que de contre. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Plus de pour que de contre, et donc forcément, ça me donne envie de continuer ma chaîne YouTube, de proposer de nouvelles choses, et puis de pas me prendre la tête, de vraiment faire ça pour le plaisir et pour kiffer. Et puis, Tant pis que tu sois pas. j'ai aussi des copines autour de moi qui ont leur chaîne YouTube, donc il n'y a jamais 203, comme vous avez vu. Vous avez aussi mes jumelles préférées, je vais vous mettre leur page YouTube également, elles vivent leur best life in Spain. Mais c'est genre trop inspirant, genre de voir tous ces contenus qui sont grave encourageants, grave bienveillants et tout. Ça fait toujours plaisir. Et puis on essaye forcément, bah, forcément quand on fait une chaîne YouTube, on va s'inspirer un peu des gens qui sont autour de nous. Mais du coup, bah, c'était ce côté un peu de comparaison que je dis, ah bah pourquoi moi je fais ça, ça marche pas. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo Le Retour. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais juste besoin de me poser, faire un petit bilan sur ce fin d'année 2021, début 2022. Et de me dire, est-ce que ça me sert vraiment? Bah oui, du coup, oui, je vais rester encore un petit peu. Je vais rester en tout cas. Si Dieu me met à cœur de continuer, bah, je vais continuer. Et si je sens que c'est plus pour moi et que ça n'apporte plus ce que je voulais que ça apporte, eh ben, j'arrêterai. J'ai fait un petit cadre. Mais il y a le truc de la ring light là, qui se reflète dedans. Donc là, c'est donc avec. Du coup, tous les épisodes que j'ai faits, que j'ai mis dans un petit cadre pour me rappeler bah, tout ce qui a été fait durant ces 1 an de Just Amy and Skin, toutes les personnes qui étaient dans mes vidéos et simplement bah, pourquoi je le fais. En fait, je le fais pour ça, pour partager, pour kiffer. Voilà, pour ça, ça, de base, ça sert à ça YouTube. Vraiment partager du contenu. Et puis après, bon, si on peut avoir un petit partenariat au passage. Je rigole. Mais voilà, du coup, je me suis fait cette petite affiche que je trouve très cool. Et que je me dis, franchement, il y a du travail. Ah, mais attendez, il y a 2 fois la même. Shit, je vais devoir enlever. Merci. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo.
Et puis, bien sûr, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, donc Just Amy. Sur ma chaîne YouTube, Just Amy également. Pas Just Amy, c'est Just Amy. On se retrouve sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine pour un nouvel épisode, puisque je reprends les montages, je reprends les vidéos, je reprends les interviews. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Dites-moi aussi pourquoi vous suivez ma chaîne, quels sont les pour de ma chaîne, qu'est-ce qui vous plaît dedans, qu'est-ce qui vous plaît dans ma chaîne, qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont les points forts. J'ai aussi besoin de savoir quels sont les points forts pour que je m'améliore encore plus, mais également quels sont les points faibles pour que je fasse des ajustements ou que j'enlève ou autre. Et voilà, que c'est que du love. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre dit ça. Mais c'est vrai, c'est que du love. Cœur sur vous, les gars. Bisous. Oh non, il va se casser. Bye. Cheers.